nouvelle prospection. Bon, il fait pas très très beau aujourd'hui. Ils ont annoncé de la pluie, donc je me suis déjà bien fait tremper. Donc on va voir au fil de la journée ce que ça donne. Mais là, je suis déjà tombé sur une belle petite. Voilà. Toujours pareil avec du lierre et les fougères qui les accompagnent. Donc là, elles sont pas vilaines. Ah, vraiment, vraiment pas vilaines là. Donc la première, elle est là. On en a une deuxième là. Je fais gaffe de ne pas m'écraser. Hop. La deuxième qui est là. Après on en a une troisième ici. Mais elle est déjà pas vilaine. Hein. Là. Allez. Là. Troisième ici. Ah, elle commence même déjà un peu à moisir. Et on a une autre. Regardez là. Bien bien cachée. Dans les branches. Allez, voilà les quatre premières. Allez, on continue la prospection. Juste à côté du caillou. Encore une jolie petite. Voilà, toujours en montant dans ce coteau, là, dans ce talus. Allez, encore une jolie là. Hop. Toujours pas rien dans le lierre là. Je continue là-dedans. Très compliqué de les trouver. Très très difficile. Allez, encore une petite sur un. Passage au gibier. Et là, avec la paysiste bénée récoltée, toujours accompagnée des fougères. Ah, et le lierre. Donc voilà, au pied, très gros frêne. Hein. Donc je suis tombé au paradis des paysistes. Il y en a de partout. Voilà, Paysis Vene. C'est joli. Ici. Oh, incroyable ce qu'il y a. Là. 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 Là, ici. Fasse gaffe de ne pas marcher dessus. Oh, il est encore en dessous là. Il y en a de partout. On va partir là. Il y en a encore ici. Hop.
Voilà. Pas trop mal. Oh, j'avais pas vu celle-là là. Elle était chelée. Énorme, t'as la plaque. T'as dommage que c'est pas des morilles comme ça. Hein. Regarde-moi ça. Allez, on continue la prospection après avoir marché plus d'une heure. Voilà. Encore une. Le vent a fait des dégâts, il y a beaucoup de chablis. Malheureusement, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés. Donc, l'année prochaine, je vais trouver moins de morilles. De toute façon, avec la calarose, hein, c'était sûr, hein, ça va être de pire en pire. C'est bientôt la fin des morilles, les amis. Allez, encore une très très jolie là. Magnifique. Oh, j'ai pas vu celle-là à côté. Mince. Oh, j'avais même pas vu que l'autre était juste à côté. Elle avait poussé couché comme ça sous la terre. Putain. Allez, encore une un poil plus loin. J'ai mis là. Allez, encore quelques jolies ici. Là, on a encore une belle part là-bas. Voilà. Allez, peut-être bien la dernière de la journée. C'est joli. Celle-ci, hein. Allez. Encore une jolie ici. J'avais pas vu. Tac. Ah, mais celle-là non plus, je l'avais pas vue.
Allez. Oh là là, petite prospection du jour. Encore une pas vilaine là. Bah du coup, ce sera celle-là notre petite dernière. Ah bah non. Voilà encore deux. Joli sur une motte de terre. Une belle surprise pour moi. Allez. Bon, c'était pas les dernières, encore une belle surprise là pour moi. Mais c'est très très difficile hein, cette saison, il y a beaucoup d'arbres qui sont tombés avec le vent, beaucoup d'arbres qui sont morts. Et les morilles c'est une par-ci, une par-là, c'est pas des taches. Donc ça va être compliqué cette saison, j'ai l'impression. Puis vu qu'il va y avoir de moins en moins de frênes, donc il n'y aura bientôt plus de morilles. Encore une autre. Je sais pas pourquoi il y en a tout le temps une à chaque fois. Pourtant là, je crois que c'est une surprise. Et là, on bouge un petit peu et là, c'est la plus grosse. Voilà. Toute seule. Je sais pas si c'est parce que c'est trop humide. Donc, je sais pas ce que ça va faire cette saison, mais pas être terrible, j'ai l'impression. Bon, il annonce du chaud la semaine prochaine. Ça commence à être joli.